Salut, c'est Marion Maubon. N'oubliez pas de regarder le débrief de Metz Handball contre Rostov. Marion, ça a été un match très intense cet après-midi, avec une belle victoire au bout. Vous avez retrouvé votre handball, diront les mauvaises langues. Les mauvaises langues, il n'y en a pas ici, donc ça tombe bien, non? Et oui, je trouve qu'on a été hyper combative en fait. C'est ce qui nous manquait depuis quelques temps, je pense. Surtout de la combativité, de l'agressivité. Et on en a retrouvé en défense. Ça finit sur un 23-20. Ça aurait pu être mieux, mais on s'est fait peur aussi un peu à la fin. Donc franchement, ce score, je le prends et je le garde, quoi. C'est sûr que c'est toujours des points de prix pour la suite. Ça vous permet de conserver la tête aussi de la poule. Tu disais que vous avez retrouvé votre combativité. Qu'est-ce qui a pu influencer à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'ambiance de la Ligue des Champions? Est-ce que c'est l'arrivée peut-être des nouvelles joueuses qui ont apporté un peu de fraîcheur aussi et de dynamisme? Non, je pense qu'il y a de très grandes joueuses dans cette équipe et qu'on a conscience de ce qu'il faut en fait. On a conscience de ce qu'il faut pour gagner un match de Ligue des Champions. Les ingrédients qu'on a mis la semaine dernière, mais on en prenait 10 ce soir si on jouait comme la semaine dernière. Et je pense qu'on a des grandes joueuses et on en a pris conscience toute seule en fait. Je suis hyper satisfaite. Franchement, on fait pas un match extraordinaire, je pense. Il y a encore beaucoup de choses. Je pense que sur grand espace, je suis pas sûre qu'on gagne le match sur grand espace par exemple, parce qu'on prend beaucoup de contre-attaques à la fin. Mais malgré ça, malgré ce match imparfait, on le gagne, donc ça c'est super. Bon, et ben écoute, on va te laisser aller savourer ça avec tes coéquipières. Et puis on vous donne rendez-vous, nous, le 9, pour le prochain match de Ligue des Champions à domicile contre Eschberg. Salut.